La sédentarité véritable fléau chez les employés de bureau, assis devant leur ordinateur 5 jours par semaine ou plus, les conséquences sur leur santé peut s'avérer des fois dramatiques, d'où l'application mobile Keepline qui propose des parcours de santé centrés sur l'activité physique que ce soit des jeux connectés, des séances d'activité physique en visioconférence ou encore des quiz santé. Nous recevons son fondateur Vincent Tarot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. Euh, pourquoi les, salari les salariés de bureau sont-ils particulièrement touchés par cette sédentarité Parce que la plupart d'entre eux sont assis toute la journée. C'est le premier, le premier facteur. Il faut savoir que le travail aujourd'hui, même, même au-delà de l'activité tertiaire, est le premier facteur de, de sédentarité. Mmh. Les chiffres, grosso modo, sont assez impressionnants. Un adulte sur deux est en situation de sédentarité. La sédentarité, c'est quoi en deux mots C'est, euh, vous connaissez tous le fameux euh, nombre de pas que vous pouvez suivre sur votre téléphone. On considère qu'on est sédentaire quand on fait moins de 5000 pas par jour. Je vous laisse regarder votre téléphone, on est très nombreux à l'être. Voilà. Quelles sont les conséquences, Vincent Tarot, euh, de la sédentarité, justement, sur la santé d'un salarié, d'un salarié de bureau, en l'occurrence Alors, il y a différents types de conséquences à très long terme. La sédentarité est un facteur qui provoque euh, les maladies chroniques. Les maladies chroniques, ce sont les maladies du style de vie. Euh, on pense au cancer, aux maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité. Et puis, à court terme, c'est aussi un facteur de bien-être et de qualité de vie. Euh, on sait tous que quand on est un peu actif, on l'a tous vécu, et ben on est un peu plus en forme, on a plutôt la pêche et on est bien dans sa tête aussi. Pour l'entreprise aussi, ça a des conséquences. Vincent Tarot, j'imagine, hausse de l'absentéisme, des arrêts maladie à répétition. Pour l'entreprise aussi, il y a Tout des conséquences. Tout à fait. La, la sédentarité est un facteur qui désorganise les entreprises, mmh. puisque ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que un collaborateur sur cinq est en situation de maladie chronique. Donc aujourd'hui, ce sont des collaborateurs qui, pour la plupart, ont des difficultés à rester dans leur emploi, donc sont plus absents. Créer des difficultés euh, d'abord pour eux-mêmes et pour leur entreprise. On arrive à identifier que c'est au bureau qui euh, aujourd'hui qu non malade. Non, aujourd'hui, ce qui est ce qu'on constate, c'est nos styles de vie sont sédentaires. Mmh. Certains euh, certains styles de job mmh. le, le, sont, sont un facteur aggravant, mais il serait euh, il serait dur de dire que c'est uniquement au travail. Est-ce que la prise de conscience, elle s'est opérée au sein des entreprises, ou alors est-ce qu'encore le sujet est encore, euh, je ne sais pas, un peu sous-estimé? Alors je dirais que le Covid, là-dessus, euh, a complètement fait euh, mûrir les, les mentalités, puisque euh, la majorité des, euh, des employés euh, du tertiaire se sont retrouvés, pour certains d'entre eux, en télétravail, mmh. et que le télétravail a encore aggravé la situation de sédentarité. Il accentue la sédentarité et le télétravail, ouais, parce qu'on en fait, qu n'a même pas le chemin pour aller jusqu'au jusqu bureau. Vous avez tout compris. C'est-à-dire que là où la majorité euh, des, euh, des employés mettent euh, de l'activité physique, c'est sur le trajet domicile-travail. Mmh. On leur enlève ça. Vous naviguez de la cuisine au salon, c'est un peu juste pour être actif. Donc il y a eu cette prise de conscience pendant la crise euh, du Covid. Euh, Aujourd'hui, euh, Vincent Taros, sont les entreprises qui font appel à vous euh, ou les salariés individuellement Comment ça se passe alors non, non, ce sont les entreprises hein, qui, euh, qui, nous, euh, qui nous demandent d'intervenir, de, euh, euh, de déployer notre application mm -hmm. pour les aider à justement contrer les effets de cette sédentarité. Combien sont-elles aujourd'hui alors à utiliser Kiplin Est-ce qu'il y a des secteurs peut-être en particulier qui font plus ou moins appel à vous Oui, alors on travaille de manière assez large avec tout type d'entreprise, mais c'est vrai que le secteur des services est, euh, est plus représenté pour la raison qu'on vient d'évoquer. Hein, ce sont des jobs qui sont très sédentaires. Mm -hmm. euh, L'année dernière, on a travaillé pour plus de 250 entreprises sur l'ensemble du territoire. Euh, des, euh, on travaille essentiellement pour des PME, des ETI et des grands groupes, euh, puisque aujourd'hui, euh, je dirais que l'effet de la sédentarité il est d'autant plus important qu'on a des effectifs et qu'on est un grand employeur. Euh, cette application, elle s'adresse, on en parlait tout à l'heure, euh, vous parliez des maladies chroniques. Euh, est-ce qu'elle s'adresse justement peut-être plus particulièrement à, à des gens qui souffrent déjà vraiment de la sédentarité Ou, euh, ou est-ce qu'elle s'applique à tout le monde Alors, on a deux niveaux d'intervention. On a un niveau d'intervention dans, 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 dans lequel on fait jouer, puisque on est un éditeur de jeux de santé, nous, oui. pour faire. Euh, voilà. On, on intervient en prévention primaire, et là, c'est accessible à l'ensemble des collaborateurs, quels qu'ils soient. Et puis, on a un parcours un peu plus cadré, qui dure entre 3 et 6 mois et là qui s'adresse aux collaborateurs qui sont déjà atteints de maladies chroniques qui sont en situation euh, de traitement et qui là ont des difficultés à rester dans leur emploi ou à revenir à l'emploi une fois le traitement terminé Donc je parlais tout à l'heure en préambule de cette émission je parlais d'exercices, de cuisses santé, mm. euh, quelles sont les offres qu'on peut trouver aujourd'hui sur, sur Kipling, est-ce que aussi, ce sera une deuxième question, qu'est-ce que ça implique comme réorganisation aussi du temps de travail, combien de temps ça prend par jour, voilà expliquez-nous un peu comment on peut s'organiser autour de cette application alors, c'est est du temps qui est, qui, qui est pris quand le collaborateur le souhaite. Donc, mm -hmm. c'est une application, le collaborateur la télécharge et depuis cette application, on a accès à trois grandes fonctionnalités. La première, celle qui, nous, qui est vraiment le cœur de l'ADN de Kiplin, ce sont les jeux de santé. Mm -hmm. En fait, on où on considère qu'on sait tous qu'il faut être actif, qu'il faut bien manger, pas fumer, etc. Ce n'est pas pour ça qu'on le met en œuvre. Donc, nous, notre, je dirais, notre, notre, notre angle d'attaque a été de faire jouer les gens avec leur activité de physique pour les aider à être actifs. Et ça fonctionne très, très bien. Et puis, il y a deux autres fonctionnalités qui aident les collaborateurs à retrouver le, le goût de l'activité. Mmh. Euh, ce sont effectivement euh, ces séances d'activité physique en visio, mmh. où là, le collaborateur se connecte quand bon lui semble. Euh, ça peut être au travail, ça peut être chez lui. On a une offre et des créneaux suffisamment. Euh, avant euh, le matin tôt, le midi, le soir, pendant les heures de boulot. Et là, ce sont des séances avec des enseignants en activité physique qui vont aider le collaborateur. À j'irai insérer de l'activité physique dans son quotidien ça peut être sujet de posture au travail mmh. ça peut être de la relaxation euh, ça peut être voilà des, des sujets qui concernent vraiment euh, les actifs sens large et donc ces temps là pris euh, pour pour s'occuper un peu un peu de soi ils sont complètement acceptés par l'employeur ouais. oui j'imagine si c'est eux qui font appel à vous c'est complètement accepté oui parce qu'aujourd'hui tout le monde comprend bien que ce sujet là il est pas euh, il est autant personnel que professionnel mmh. et que euh, cette fameuse limite temps de vie euh, perso pro bon d'une part dans, dans, dans des contextes comme actuellement a complètement éclaté. Mmh. Et la santé, c'est euh, un sujet professionnel comme un sujet personnel. Vincent Tarot, pourquoi le jeu, vous avez un peu abordé, donc c'est vrai que c'est ce qui vous différencie, Kipling, c'est que vous, vous axez votre travail et votre solution autour du jeu. Pourquoi le jeu Qu'est-ce que ça apporte en plus, justement Alors le jeu a plein d'intérêts. Le premier, c'est que ça nous permet d'aller chercher les gens qui sont fâchés avec le sport. Euh, nous, l'idée dès le départ n'a pas été de convaincre les sportifs, je dirais, on les aime beaucoup mais ils n'ont pas trop besoin de nous. Nous, on va chercher les gens qui sont un peu fâchés avec l'activité physique mmh. et le sport. Et le jeu a de ça euh, qu'il nous permet, on engage à peu près plus de 60% des effectifs des entreprises qui viennent vers nous. Donc on va bien au-delà des simples sportifs. Ça, c'est le premier point. Et puis, deuxièmement, le jeu, il, a, il est très pédagogique. Il vous met en situation du changement, mais sans vous expliquer vraiment euh, ce qu'il faut faire. Mmh. Et une fois que vous avez euh, ancré, euh, inséré de l'activité physique dans votre quotidien, sur votre trajet pour aller euh, au travail, euh, chercher vos enfants, enfin, j'en sais pas. Bref. Eh ben vous vous êtes rendu compte que c'était assez simple. Et ça, c'est le jeu qui vous y emmène sans vous expliquer, sans vous coacher, sans vous forcer. Euh, avec quel profil d'expert, expliquez-nous, avez-vous travaillé justement pour l'élaboration de cette, cette application Alors, on a un comité scientifique avec ouais. qui on travaille depuis maintenant deux ans, qui sont des spécialistes de, de l'activité physique adaptée. Euh, ce sont des gens qui travaillent beaucoup autour euh, notamment des, euh, des thérapies via l'activité physique adaptée. Il faut mmh. savoir que notre solution est aussi utilisée euh, par des établissements de santé pour aider aux soins de, là, de gens qui sont, euh, qui sont suivis dans des, dans des établissements de santé. Mmh. C'est avec ces, ces experts-là qu'on a mis en place nos jeux, qu'on les a créés, qu'on les a designés pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Est-ce que vous, vous les appliquez euh, On essaye, on situation. essaye. Après, on est comme euh, chacun d'entre nous. Euh, Il voilà, y a des périodes qui sont plus simples que d'autres. Voilà. On a parlé des conséquences tout à l'heure sur la santé, donc de la sédentarité. Maintenant, j'ai envie de parler des des positives, des ouais. bénéfices pour la santé, justement, de cette activité physique euh, un peu ponctuelle comme ça. Est -ce, quelles sont les conséquences, ouais, sur le long terme bah, C'est un style de vie euh, qui permet d'éviter hein, ce qu'on se disait, les maladies chroniques ouais. et euh, ces maladies chroniques, elles sont un facteur de fragilité. On le voit aussi là encore dans la crise sanitaire. Les malades chroniques sont ceux qui sont les plus touchés, les plus à risque. Donc je dirais être, être un peu plus actif au, au quotidien, c'est une vraie force. Et il faut savoir de quoi on parle. Notre mission, nous on le dit souvent chez Kipling, c'est insérer entre 15 et 30 minutes d'activité d'activité physique modérée mmh. dans la vie des gens par jour c'est pas grand-chose c'est pas grand-chose et quand on parle d'activité physique modérée c'est concrètement c'est de la marche à pied mmh. c'est pas on vous demande pas d'aller courir un marathon de midi c'est pas le propos Peut-on s'attendre, dernière question, il nous reste quelques secondes, euh, selon vous, Vincent Tarot, qui, qui est dans ce secteur, euh, oui, à une vraie, euh, un vrai changement d'organisation euh, dans les entreprises euh, dans les années à venir. Euh, on est au tout début, là, justement, les, les employeurs prennent conscience, en effet, qu'il faut se focaliser sur le bien-être de ses salariés. On peut s'attendre, là, dans les 5-10 années à venir, oui, à des changements radicaux dans les organisations Je crois, il y a 46% des employeurs mettent des, des, des choses en place aujourd'hui. Et puis, le vieillissement de la population, malheureusement, fait que ces maladies chroniques vont être Très présente dans les entreprises. Donc, les employeurs vont devoir effectivement euh, travailler et mettre des, des outils en œuvre. Ça, en tout cas, nous, on en, on en est convaincus. Et vous êtes optimiste. Merci voilà. beaucoup, Vincent Tarot, de nous avoir Merci accompagné aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes fondateur de l'application Kipline. Merci. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est le Rex du mois.